Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc la spéciale haul solde d'hiver. Donc ce sont des soldes que j'ai effectués donc chez Primark, comme vous pouvez voir avec mon grand sac. Donc voilà, j'ai plutôt profité des soldes pour faire des achats pour mes enfants. Comme vous le savez très bien, les enfants, soit ça grandit trop vite, soit ça salit aussi les vêtements très vite. Donc du coup voilà, déjà que Primark en temps normal, je suis cliente très très fidèle. Donc du coup voilà, là je voulais profiter quand même d'autres offres. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver dans leur magasin. J'ai également effectué des soldes chez Zara. Je vous avoue que j'avais profité en fait des ventes privées et également du Black Friday. C'est une vidéo que j'ai pas encore terminée de monter, mais là je vais en profiter avec mes achats de chez Zara pour compléter cette vidéo. Je vous la posterai très prochainement également, parce que du coup en fait ce que j'ai acheté pendant la période de Black Friday et pendant les ventes privées donc de chez Zara, c'est exactement les articles qu'ils proposent, qu'ils présentent pour les soldes actuels. Donc voilà, ça pourra vous donner quelques idées aussi en plus, et surtout si il leur reste des tailles dans leur stock. Donc là c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Primark. Alors je vais commencer donc par le rayon adulte. Donc là notamment pour moi, j'ai pas trouvé grand chose. Les bonnes affaires étaient parties de très bon matin, donc dès 10h, dès l'ouverture du magasin. Donc là du coup j'ai pris ce short là, il m'est revenu à 1€, puis j'ai trouvé ma taille. Donc c'était du 38-40, taille S, qui correspond au S. Et donc là il était affiché à 7€, et donc je l'ai payé 1€. Donc quand même c'est une très bonne affaire. Donc comme je vous le disais, en temps normal, déjà Primark c'est vraiment pas cher. Et donc là, pendant les soldes, c'est encore de la folie. J'ai trouvé ensuite dans le rayon homme ces deux polos. Donc là, ils étaient pris initial à 11€. 11€, je vous dis bien. Et donc là, du coup, je l'ai payé à l'unité 1€. Donc celui-ci, il est couleur bleu marine, bleu foncé. Et j'ai pris le même en couleur bleu électrique, pareil, donc du coup prix initial 11€ et je l'ai payé 1€, donc les deux je les ai eu pour 2€. Donc voilà, après voilà, comme je vous ai dit, il y avait des soldes, mais bon voilà, soit il n'y avait plus la taille que je voulais, soit vraiment c'était remonté, c'était démonté, enfin les tables, les gondoles, il y avait partout par terre, enfin voilà, moi ça me donnait pas forcément envie de chercher aussi, donc voilà. Passer tout de suite donc au rayon bébé. Pourquoi? Parce que j'ai pris qu'un seul article là-bas, j'ai trouvé qu'un seul article. Donc là du coup j'ai pris ce manteau. Donc ce manteau il est super beau. Donc je l'ai payé 7€ au lieu de 14€ prix initial. Donc voilà, il est très bien, il est un peu façon doudoune, il est très très chaud à l'intérieur, il est matière un peu polaire à l'intérieur. Et savoir que du coup il est très bien aussi pour le grand froid, ou même donc du coup pour la pluie, en fait, pour résister à la pluie. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympa avec la petite capuche. Donc voilà, en plus il est blanc, c'est pas forcément salissant, c'est un blanc un peu ivoire, enfin voilà, plutôt ivoire. Donc voilà, pour 7€, donc moins 50%, je trouve que c'était vraiment une très bonne affaire, sachant que l'hiver ça dure pas 2 mois. En général, ça dure quand même jusqu'à avril. Donc voilà, au moins ça pourra lui faire l'affaire. Ensuite je passe donc au rayon fille directement. J'ai trouvé donc ce pyjama là, à savoir que pardon, je reviens sur le manteau, c'était vraiment les moins chers, hein, 7€, il n'y avait pas moins, il n'y avait pas 5€, 1€ ou quoi que ce soit, ou même 4€, non c'était vraiment 7€, c'était le minimum en fait de solde dans les manteaux chez le bébé en tout cas. Du coup là j'ai pris ce pyjama là façon pilou pilou, il est très doux, c'est motif licorne. Celui-ci je l'ai payé 2€ au lieu de 8€. Donc là voilà, là il n'y a pas d'étiquette, mais en tout cas ils étaient bien présentés sur une table, pareil, qui a été démontée dans la foulée aussi par la suite parce qu'ils faisaient leur réassort. L'équipe faisait en fait son réassort, mais au fur et à mesure en fait les gens ils prenaient, ou parfois ils défaisaient carrément l'emballage. Donc là voilà, c'est de 8€ à 2€, donc franchement ça reste quand même une très bonne affaire. Voilà, le pantalon il est avec des petits imprimés comme ceci, avec des petits pois de couleur rose, vert, jaune et fuchsia.
Et donc voilà, le haut, il est tout simplement avec l'imprimé de licorne. Donc je lui ai pris une taille 5-6 ans. Ensuite, j'ai trouvé dans le rayon legging, ce legging là, j'ai trouvé, il est gris anthracite. Et donc voilà, en bas, comme vous pouvez le voir, vous avez en fait des petites franges qui sont cousues directement pour marquer en fait le bas du legging. Donc là, celui-ci, il était prix initial à 5 euros et donc je l'ai payé 2 euros. Donc voilà, c'est pas mal, ça peut être très utile en hiver comme pour l'été. Donc je lui ai pris une taille 3-4 ans. Ensuite, donc là, je passe dans le rayon de grande fille. J'ai pris ce t-shirt, donc 2 en 1. En fait, dans le rayon active, ils appellent ça en fait tout ce qui est rayon sportswear, si vous voulez. Donc en fait, celui-ci, il était à 8 euros et donc je l'ai payé 1 euro. Donc en gros, le 2 en 1, je l'ai payé vraiment 1 euro. 7 euros de réduction, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment un prix abordable et très intéressant. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt-là. Donc comme vous connaissez tous, peut-être que vous n'avez pas forcément reconnu parce que l'image elle est à l'envers. Attention, le t-shirt il est bien à l'endroit comme je vous le présente. Donc en fait l'image c'est tout simplement Ariana Grande. Donc du coup forcément donc, c'est une célébrité. Mais franchement pour 5 euros le t-shirt prix initial à 9 euros, je l'ai eu à 5 euros. Je trouve vraiment que c'est très intéressant. Et puis c'est vrai qu'en ce moment les filles elles sont à fond dedans. C'est comme tout ce qui est Kylie Kardashian, Kim Kardashian, etc. Donc voilà. J'ai trouvé assez sympa et puis et voilà, comme ça au moins ça peut se mettre avec tout. Ensuite j'ai trouvé ce t-shirt là, licorne. Donc celui-ci prix initial à 7 euros et je l'ai payé 1 euro. Donc il est rose avec des strass en fait. Il est réversible en fait. Voilà, licorne rose. Donc voilà, c'est un très joli rose et puis il est assez sympa je trouve. Donc, pour 1 euro c'est super, on va pas dire, on va pas se priver. Ensuite, pour les garçons, j'ai trouvé cette chemise-là, manche longue. Elle est très, très douce niveau matière. Et en plus, c'est un modèle que j'aime particulièrement, j'aime bien. Ça peut se mettre avec un jean, ça peut se mettre aussi avec un pantalon slim, un pantalon chino. Donc voilà, il est assez sympa. Elle est assez sympa, pardon. Du coup, je l'ai payé 3 euros, prix initial à 8 euros. Et donc, je l'ai payé 3 euros, c'est quand même 5 euros de réduction. Comme quoi, ça reste quand même une très, très bonne affaire. Voilà, donc ça c'était pour le garçon. Et donc là, pareil, j'ai trouvé cette petite chemise façon estivale avec des imprimés. Et donc là, j'ai pris, elle m'a coûté 1 euro également. Donc prix initial à 8 euros, elle est passée donc à 1 euro. C'est quand même une très très bonne affaire également. Et donc manche courte, ça pourrait très bien lui servir pour cet été. Même si j'aurais pu attendre les soldes d'été. Mais bon, je pense pas que ça on mette en hiver. Je ne pense pas. Donc voilà, ça pourra lui servir pour cet été. Donc voilà, mon haul solde d'hiver spécial, donc Primark, est terminé. Ça ne s'arrête pas là. Je pense que je vais y retourner, mais plutôt à une heure creuse. Après avoir déposé les enfants à l'école. Et comme ça, au moins, je pourrais vraiment regarder chaque rayon et surtout en profiter, prendre le temps de regarder les tailles, etc. Là, j'ai vraiment pris ce que je pouvais prendre. Parce que ça devenait vraiment insupportable. Voilà, c'est un magasin qui cartonne et les gens, ils s'arrachent vraiment limite les vêtements. Donc, il y a un monde fou au niveau des caisses, etc. Donc voilà, en tout cas, j'ai quand même pu trouver ces bonnes affaires-là. Donc, en tout cas, je pense que je vais y retourner. Je vous repartagerai ma prochaine vidéo si j'y retourne. Et si jamais je ne fais pas d'achat, enfin, du moins, c'est pas très volumineux, je vous ferai en fait une vidéo tout simplement pour vous montrer ce qu'ils proposent, ce qu'ils présentent. Comme ça, moi, ça pourra aussi vous donner des idées pour faire vos achats prochainement et profiter bien évidemment donc des soldes. Je ne vous oublie pas pour la vidéo donc de Zara Kids. Par rapport au solde donc, que j'ai fait récemment. Et donc comme ça, pareil, ça va pouvoir vous donner des idées. Mais attention à savoir que Zara, ils ressortent aussi pas mal de collections et qu'ils resoldent. Donc c'est pas forcément parce qu'il n'y en a plus que du coup ils vont s'arrêter là. Non, ils ont toujours des nouveaux articles qui reviennent et qui se soldent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.